Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de Robocraft. Donc chers amis, cette fois-ci nous avons eu donc nos quelques crédits. Et donc je voulais voir, je voulais savoir, je voulais vérifier exactement. Mince, je me trompe. Je vais y arriver, voilà. À quoi correspondait le fameux nouvel équipement anti-air canon. Ça pourrait être intéressant, ça, comme arme. Par contre, ça coûte extrêmement cher, le canon. Hein. 11 millions, le canon, ça fait mal au fion. Hein. Comme dirait l'autre. En plus, ça rime, c'est d'une beauté. Ouais, ouais, ouais. 11 millions, le canon, ça fait drôlement mal au fion. Nous sommes actuellement à 862 000. Eh ben, écoutez, chers amis, je pense qu'on va partir en Battle Arena avec ce robot, on verra bien. Et on verra bien ce que ça va donner, chers amis. Je suis curieux de savoir si le fameux nouveau canon anti-air, quand même, est efficace sur les robots au sol. Et surtout, qu'est-ce qui le différencie des autres armes? Parce que franchement, enfin, je sais pas, je trouve que les SMG faisaient déjà très très bien anti-air. Hein. Ou alors, ils ont nerf les SMG. Et dans ce cas-là, j'ai rien à dire. Pour une fois qu'il les nerf et qu'il les augmente pas. Non, je demande à voir, franchement, je demande franchement à voir. Par contre, si le temps d'attente est d'une demi-heure, ça va pas le faire. Alors, ellipse. Voilà, re, chers amis. Donc, une minute plus tard, on arrive à trouver une partie. Flyer Nightmare. On rigole plus, si tu veux. C'est moi, ça, d'accord. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, ce vaisseau. Qu'est-ce qu'il est moche. Enfin, vaisseau, ce véhicule, hein, ce robot, simplement. Cherchons pas plus loin. Alors. Nous voilà partis. Alors, certains m'ont fait préciser que on pouvait se crouch, littéralement, donc s'agenouiller. Alors, de base, alors je vous explique pourquoi je ne supporte pas ce principe-là. Cette stupidité là, cette connerie là qu'est donc cette chose à faire vis-à-vis. Vis-à-vis donc de cet équipement. Pourquoi je le déteste? Eh, parce que de base en fait ça vous oblige à être très très haut. Donc même en crouch. Vous voyez, on descend que 2-3 cubes, et c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Je suis là, hein, Moudoubion. Alors, un petit peu de régène. Ok, j'aime comment il va plus vite à péter mes SMG que je lui pète les siennes en fait. Franchement, ça me fait tellement plaisir de voir ça. Alors. Allons-y. Ne fais pas avoir, tu tournes le dos. Hop, moi je vais contourner l'ennemi. Ok, on me l'a piqué, c'est pas grave. Là, ah non, c'est bon, j'ai eu les deux. Bon bah c'est moi qui ai piqué les deux kills. Pourquoi pas. Passons par là. On va le surprendre, l'engin. Hop.
Ok. Là, je suis dans la merde. Tu peux m'aider, copain? Oh, oh. Vous pouvez m'aider? Oh merde! Elles sont solides les siennes de SMG. Regardez ça, regardez ça! Moi j'ai tiré dessus, il a pris zéro dégâts ou quoi? Par contre lui il bourre un petit peu, hein. Faut soyons honnêtes, il bourre complètement même. Et vous faites quoi? Vous glandez au spawn, littéralement. Pourquoi pas, hein, après tout, si ça vous amuse. Allons sur ce point. Oh le canon, le coup de canon qui s'est pris. Oh la gueule. C'était presque beau. Soyons honnêtes. Notre pote prend extrêmement cher. Pas d'ennemis. Elles auraient bien été nerfs, hein. Hop les. C'est fait. Progressons. Oula. Qu'est-ce que c'est qui tire ça? C'est des... Est-ce que ce serait auto-guidé par hasard les trucs de... Excuse-moi, mais on a un ennemi là-bas. Ok. Bonjour. Alors attendez, c'est pas la nouvelle SMG quand même. Parce que ça m'en a tout l'air donc... T'es intuable ? Les mecs ? Les mecs ! Pourquoi vous vous planquez ? Bon, c'est pas grave. C'est assez intuable ces machins-là. Je sais pas à quoi ça correspond exactement au niveau des... Enfin, ça a l'air d'être... En fait, ça a l'air de faire... Un peu moins de dégâts que les bombardiers, mais ça tire un peu plus vite en fait. Et inversement, par rapport à la SMG, ça tire moins vite que la SMG, mais ça fait plus de dégâts, vous voyez le truc? Donc autrement dit, c'est la nouvelle SMG cheatée. Personnellement, on éprouve le besoin de faire une arme entre plus, enfin, qui est exactement la même qu'une autre, mais avec les capacités qui ressemblent à celles d'une autre, c'est quand on est en panne de... En panne de commande, d'idées. Ok, je l'ai eu, génial. Ok. Et si on passait par le milieu? C'est fait une connerie là sur le coup. Hop. C'est un leurre. Ok, il a été détruit.
sais pas, que je me fasse peut-être par le mec qui va pop. Ok, de 1. Ok, vengeance. Your bottom fusion tower is under attack. Alors. Hop. M'en fous. M'en fous. Je vous ai bien foutu les boules. Alors, voulez-vous la mettre? De toute façon, j'ai bien avoir un copain qui va péter une tour là, non? Putain, mais alors lui, il nous sert strictement rien. C'est quoi ce véhicule? C'est moche. C'est rien de moche. Oh, il y en a bien un qui pète une tour, non? Mais par contre, c'est un sniper qui se met à faire les trucs. Merci. Alors. Alors. C'est parti, progressons. Vraiment long ce véhicule, hein, sinon. Est-ce qu'il mériterait pas d'avoir un mode vol ou un truc comme ça? Enfin, un mode sprint plutôt qu'un mode crouch. Moi je pense que si. Il mériterait clairement de pouvoir sprinter plutôt que scrutcher. Oh joli. Voilà. Si on peut attendre un tout petit peu histoire de pouvoir se régénérer. Là. Voilà. Merci de bien vouloir vous montrer. Il m'attend. Hop, merci pour la diversion. Défoncez-les! Et si on s'y met tous, on peut le dégommer, hein. Je précise quand même. Ah, mon armement. Bla, pétez-les. Pétez-les, oui. GG les mecs. GG. Bon. Bon, bah c'est une belle victoire encore, hein. Encore une victoire de canard, comme dirait l'autre. Bon, bah on se défend pas si mal au final. On se défend pas si mal. Comment que ça nous fait de crédit, ça? 500 000. C'est pas rien. Je suis preneur. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas. Donc à le pouce vérisé, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans votre lien dans la barrière de la chaîne. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, chers amis, bien sûr, télécharger le jeu, il est gratuit, hein. Bon, il est... rageant, on va dire rageant, je vais pas dire qu'il est mauvais, je vais dire qu'il est rageant.
Mais écoutez, ça reste un jeu auquel il est toujours amusant de jouer un petit peu de temps en temps, hein. C'est vraiment de temps en temps pour moi, hein. Pour vous dire, je n'y joue pas en dehors des tournages et je fais que 15 minutes tous les 2-3 jours, hein. Bon là ça va être un peu plus souvent parce que je vais avoir deux vidéos, parce que le cycle va avoir changé. Je vous rappelle que le cycle change, donc le cycle en question ce sera Fallout. Alors attendez, j'ai noté Fallout, donc Starbound Wildstar, Fallout Starbound ABC, enfin ABC Murders, Fallout Robocraft de Dragon's Dogma, Fallout Robocraft et Dangerous Horizon. Donc voilà le nouveau cycle entre guillemets qu'on va avoir très bientôt. Donc vous avez normalement déjà vous. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.